Tonton, bonsoir. Tonton Soumaoro Ben Mfali, président d'association de consommateurs, bonsoir. J'espère que ça va, tonton. Ah, Dieu merci. La famille, ça va. Ramadan, ça se passe bien. Moi, je viens de rentrer, je suis fatigué. Puis en plus, je suis en deuil. Mais tonton, tu dis quoi? Tu dis les prix sont élevés, plus les prix sont élevés, plus vous avez une bonne qualité d'Internet. C'est quand Didi B a dit 62 ou 63% de la population ivoirienne ne connaît pas, n'a pas accès à Internet. C'est-à-dire tellement Internet est cher là. 62 ou 63, je ne sais plus, mais en tout cas, plus de 60% de la population ivoirienne n'a pas accès à Internet, c'est-à-dire ils peuvent pas travailler, ils peuvent pas chercher bara, ils peuvent rien vendre, ils peuvent rien faire parce que Internet est cher. Tonton, la partie là, tu n'as pas entendu. Ah. Et tu dis quoi? Les gens se plaignent, mais on ne tient pas compte des buzz des réseaux. Par exemple, c'est buzz. C'est Ivoirien qui a gâté son nom. C'est nous là. On a gâté notre nom. C'est quand quelque chose arrive sur la toile, on est vous, 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 vous. Comme feu de brousse, on va, 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 va. On prend tout et puis après, on s'assoit glogodo. Sinon, en temps normal, si on soulevait bien là, non. Tonton, tu n'allais pas dire ça. Toi-même, en tant que président d'association des consommateurs, là, tu ne devais pas dire ce que tu as dit là. Aïe, tonton, toi aussi. En temps normal, tu ne peux pas dire ça. Parce qu'en temps normal, là, même là, toi-même, tu dois parler pour nous, en notre nom et pour notre bien. Mais si toi-même tu dis ça, c'est qu'on est mort dans le film. C'est-à-dire, nous-mêmes, on est bêtes même. Qu'au buzz des réseaux sociaux. Vous n'avez pas encore vu de plainte. Maintenant, ceux qui se plaignent ne font rien de bon avec Internet. Ah. Donc, nous, ils viennent nous suivre là-haut. Ils font rien de bon. Nous, on n'est pas l'homme. Nous, on n'est rien de bon. Ah, les gens nous prêtent leurs oreilles, on crache dedans. Nous, ils viennent nous suivre, ils viennent nous soutenir. Ils viennent écouter nos façons de décortiquer les choses là. Nous, on ne fait rien de bon. Mais non, oui, nous, on n'est rien de bon. On est des bons à rien. Et donc, ceux qui viennent nous suivre, nous soutenir, partager nos vidéos, écouter ce qu'on dit de temps en temps, décortiquer les petits bérets chauds, s'amuser, distraire, ou bien conscientiser là. Nous, c'est ceux qui viennent nous suivre là, eux, ils ne font rien de bon. Tonton, tu allais donner. Ivoirien, ouvrez les yeux. Sérieux. Lui, là. Ouvrez les yeux. Sérieux. Parce que président des consommateurs ne peut pas dire ce qu'il est en train de dire là. Tonton, tu seras destitué. Ça me fait rire parce que il ne veut pas te charger. Parce qu'elle est là, ici, en deuil. Mais sinon, tonton, donner que tu as donné là, nous, on a réponse de ça. Et puis, bon, observateur, ma mamie, hey, yodé. Donc, on attend le mot gentil de certains artistes. Tu ne peux pas faire ce que tu es en train de faire là. Quand vous vous êtes bien placé, quand vous êtes bien assis, quand vous avez 10 000, 20 000 pour payer Internet là, tout le monde n'a pas 10 000, 20 000 pour payer Internet. Quand Didi B a parlé, il a dit, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on fait fi de ne rien voir. Le marché est. Vous nous parlez tout le temps de la crise de l'Ukraine. Ukraine qui est Azerbaïdjan et puis nous on est à Azerbaïdjan. En comment leur problème va venir nous toucher? Vous nous dosez tous les jours, les doses adultes. Les flèches même enflammées. On est là, on vous regarde, on ne dit rien. Vous pensez qu'on est bête. C'est nous, comme on soulève les choses, vous, et puis on dépose, on soulève, vous, on dépose à cause de ça. Toi, tonton Ben, tu es venu dire ce que tu es en train de dire là. Sinon, really, tu peux pas dire ce que tu dis là. Non, tu peux pas. Vrai, vrai même, tu peux pas. Mais en tant que président de consommateur, tu viens de montrer que tu t'en fous de ce que le consommateur dit. Tu t'en fous des plaintes du consommateur. Tu t'en fous du portefeuille du consommateur. Pourtant, tu es président d'association des consommateurs. Donc, ces plaintes, tu attends. Ces plaintes, tu attends. Pour pouvoir parler au nom du consommateur, tu attends plainte. Pour pouvoir faire, mais c'est-à-dire travailler, payer, c'est ton travail. Ton travail, c'est d'envoyer ce que nous, on dit un coup, un coup, là. C'est de prendre ça pour monter. Maintenant, si toi, on fait un coup, tu ne prends pas ça pour monter. Tu dis,
Nous qui faisons un coup, on a qu'à aller sur les plaintes. Hein, venir, c'est à qui on va donner? Vu que toi-même, le président des consommateurs, tu dis, tu ne gères pas ça. Donc, plainte, tu veux qu'on aille chercher là. On n'a qu'à venir donner à qui? Qu'on donne à qui? Tonton, faut respecter les gens. Hein. Sérieux. Et puis, qui t'a mis même président des consommateurs d'association d'exercice? Qui? Ou un groupe de consommation de consommateurs? Je ne sais pas. Vous, nous qui nous plaignons là. Bon, les Ivoiriens, où sont les groupes d'associations de consommateurs? Pardonnez, essayez de voir. Parce qu'il y a l'impression qu'il y a des choses qui se font dans votre dos. Mm-hmm. Il y a des associations qui se créent dans votre dos et ces associations-là, chaque association a son président et il s'en va parler en votre nom. Vous-même, vous ne les connaissez pas. Vous ne les avez jamais vus. Vous ne savez rien. Donc, commencez à chercher les présidents des associations dans votre quartier des consommateurs pour qu'on atteigne lui-là. Mm-hmm.